Danse. Danse, ça te réchauffera, lance du haut de ses 8 ans. La petite Tumpy à sa sœur, donnant elle-même l'exemple en sautant, tournant, virevoltant sur la musique des John's Family Band, un orchestre de rue dont elle a fait sa famille. Tumpy, c'est le surnom que dès sa naissance, Carrie, sa mère, a donné à ce bébé au crâne ovale comme un œuf et au ventre tout rond, en référence au bonhomme de la comptine Humpty Dumpty. À peine né, Tumpy, de son vrai nom Freda Joséphine MacDonald, à la danse de Saint-Guy, comme disait ma grand-mère. Elle a failli échapper aux mains de sa mère à force de gigoter, et 8 ans plus tard, rien n'a changé. Elle ne tient pas en place. Elle a un ressort sous les fesses. Hyperactive, dirait-on aujourd'hui. Il faut qu'elle bouge, qu'elle saute, qu'elle s'agite, qu'on la regarde. « Je suis fatiguée, j'ai faim », pleurniche Maggie, de 3 ans, plus jeune que son aîné. « Moi aussi j'ai faim », rétorque Joséphine en lançant bras et jambes en tous sens. « Ça n'empêche pas de danser !» C'est d'abord avec son frère Richard que Tumpy a repris sa vie de petite fille des rues après l'oasis de l'hôpital. Elle connaissait déjà toutes les combines pour récupérer quelques morceaux de charbon dans les wagons de chemin de fer et les vendre au porte-à-porte, ramasser des légumes au Soulard Market, un marché tenu par une majorité d'Allemands ayant fui leur pays, auquel se mêlent des Libanais, des Bohémiens, des Croates et des Slovaques, et gagner ainsi 3 sous. Mais ce qu'elle aime le plus au monde, c'est faire la folle sous les regards ébahis de ses petits camarades de misère et voir des étoiles s'allumer dans leurs yeux. Et ce soir encore, la magie opère. Maggie éclate de rire et oublie la faim et le froid en regardant Joséphine marcher à 4 pattes, les fesses plus hautes que la tête, enchaînée avec une pirouette et rouler des yeux comme des bouilles de loto en folie. Et puis il y a la musique. Elle circule comme le sang dans les rues de Saint-Louis. On joue partout, tout le temps, tout le monde, pour tromper la faim, le froid, la misère, et Joséphine mieux que personne. Elle a appris à souffler dans un trombone, et sa bouille gonflée d'air est irrésistible. D'autant plus qu'elle accompagne sa performance de roulements d'yeux et de crémasses désopilantes. Un art à elle qu'elle a développé très jeune. Un sport, dira-t-elle, qu'on devrait apprendre à pratiquer au même titre que les autres. Elle danse comme une possédée dans les rues, dans les cinémas, dans les bars, avec une énergie qui lui vaut l'admiration du public. Elle se grise de ces regards étonnés, amusés, dont elle sent la chaleur sur son corps de gamine mal aimée. Elle s'est liée d'amitié avec les Jones, un couple de musiciens ambulants qui sont à ses yeux sa vraie famille. Depuis longtemps, Joséphine organise des soirées dans les caves. Avec un bout de tissu, une bougie, elle transforme la pièce sombre et sordide en palais des mille et une nuits et s'exprime avec une ingéniosité folle à faire rire ses camarades, à les épater, les entraîner dans des transes de cris et de rires. Avec l'aide de Maggie, qu'elle a définitivement embarquée dans ses aventures, elle peaufine ses spectacles qu'elle fait payer un bonbon, une allumette, une pomme, 5 Big Blues. Thank you.
Joséphine regarde avec inquiétude et curiosité cette blanche qui est venue dans les loges pour lui faire une proposition invraisemblable. Aller en France, à Paris, pour danser dans une revue nègre au théâtre des Champs-Élysées. Paris, ses narines frémissent de peur et d'excitation. Ici, à New York, elle a quelques amis. La chanteuse Ethel Waters, son idole, et des musiciens aussi. Alors, partir à Paris, à la capitale des Français, si loin? Et puis, comment revenir? Caroline Dedley se montre rassurante, promet. Les artistes français adorent l'art nègre. Ils lui feront un triomphe. La France est un pays magnifique. Elle-même adore la France. Ses écrivains, Josette Belteuil en particulier, qui deviendra son mari, mais aussi Aragon, André Breton, Jean Cocteau, et ces peintres qui ont mis l'art nègre à la mode, Picasso, Braque, d'autres encore. Joséphine la regarde en louchant un peu. Elle n'a jamais entendu parler de ces gens-là. Le paquebot accoste le 22 septembre 1925 à Cherbourg. De là, un train emmène toute la troupe à Paris. Affublée d'une robe à carreaux blancs et noirs à bretelles, d'une blouse à carreaux rouges, de chaussettes vertes, de chaussures plates et d'un petit chapeau à plumes multicolores, une jeune fille d'une jolie couleur caramel roule dans tous les sens, ses yeux trop grands, en chantant à tue-tête sa joie d'être en France. Elle ne s'en rend pas compte, mais elle est déjà un phénomène. Là, sur le quai de la gare Saint-Lazare, cabriolant joyeusement dans son invraisemblable tenue, au milieu d'une trentaine de noirs de Harlem, tous bizarrement attifés les uns que les autres. Le 2 octobre, après 3 semaines à peine de répétition, le théâtre des Champs-Élysées ouvre ses portes. Joséphine rayonne, explose. Elle a déjà parcouru toutes les rues du quartier latin, tous les cafés, goûté toutes les saveurs de ce monde nouveau, Paris. Une ville où l'on peut entrer dans tous les restaurants, quelle que soit sa couleur, où l'on peut rire, danser, aimer qui l'on veut. Et elle ne s'en prive pas. Paul Collin, un jeune dessinateur de 20 ans, devient vite un de ses premiers amants. Il la croque des yeux, du crayon et des mains. Il faut dire qu'elle est irrésistible. Avec son corps souple et sinueux, son ventre plat, ses hanches étroites et ses fesses rebondies qu'elle exhibe sans retenue dans la petite chambre de Montparnasse où vit le jeune Colin. En deuxième partie, le rideau s'ouvre sur un bouquet de gratte-ciel à peine éclairé. New York, tel qu'on le rêve à Paris. Le saxo de Sidney Beckett déchire et charme le silence plein de souffle retenu. Et voilà que déboule sur scène l'acrobatique, la frénétique, l'invraisemblable, la clownesque Baker, en salopette noire et chemise blanche en lambeaux, ses cheveux huilés, plaqués sur son drôle de crâne ovale, ses yeux en boule de loto louchent affreusement et ses jambes, ses trop longues jambes de poulain sur lesquelles elle paraît d'abord ne pas tenir, s'entrecroisent ensuite à une vitesse incroyable. Il paraît que cela s'appelle le Charleston. Et tout le monde voudra le danser pendant 50 ans encore. Cette fille est une vraie bombe. Le tableau final fait scandale. Joséphine danse torse nu comme son partenaire, vêtue seulement de sa peau noire comme d'une fourrure. Est-ce une femme ou un bel animal exotique ? Son partenaire la fait passer au-dessus de sa tête, entre ses jambes, sur, sous ses bras, sur son dos. L'homme est magnifique. Hanches minces, pectoraux dessinés, cuisses longues et muscles fins. Les femmes soupirent et rêvent autant que leurs compagnons. La salle est enthousiasmée, scandalisée. Les sifflets se mêlent aux hurlements. Joséphine, qui croit que les sifflets sont des marques d'admiration, en rajoute. Revient devant le rideau hâtivement fermé. Pousse plus loin encore la provocation de son corps presque nu qu'elle plie et balance avec frénésie. Au point que le spectacle finit en bagarre. Dans les coulisses aussi, l'ambiance est chaude. Toutes les autres girls détestent cette insolente, prétentieuse et impudique. Joséphine s'en contrefiche. La haine, elle connaît. Elle n'en a pas peur. Charleston. Charleston.
400 francs de plus par représentation, Joséphine laisse tomber tout le monde en pleine tournée et quitte Berlin pour rejoindre M. Derval, le directeur des Folies Bergères. 400 francs, quand même, ça compte. Et la folie continue. Dans une jungle de pacotilles, Joséphine danse, vêtue d'un soutien-gorge blanc et d'une ceinture de banane qui va faire son succès. Elle frétille autour de son bassin comme autant de petits pénis dorés et suivent le rythme endiablé que leur imprime la jeune danseuse. Ces bananes, on en parlera encore 50 ans après, un siècle après peut-être, en 2026 et plus tard. Le Paris des années 20 veut à tout prix oublier les 4 années de guerre qui viennent de s'écouler, ces millions de jeunes gens morts, ces horribles gueules cassées qui se cachent honteuses au fond des maisons. On adore le jazz et les Américains qui ont aidé la France à vaincre les Boches. On adore les nègres qui ont des corps de dieu et de déesse et à peine une âme. On adore Joséphine Baker et Joséphine Baker adore Paris. On ne compte plus le nombre de ses amoureux. Du garçon d'étage au photographe renommé, du jeune journaliste à l'écrivain célèbre, elle semble, avec ses cheveux gominés et sa taille libre et svelte, incarner la garçonne, héroïne féminine du roman de Victor Marguerite. Certains pourtant la dénigrent avec la plus grande grossièreté, la traitant de singe qui aurait fait de la gymnastique suédoise. Elle n'en a cure. C'est la vie, la grande vie, la gloire. Les amants défilent boulevard des Batignolles à l'hôtel Fournet où elle a pris pension. Georges Simenon, l'écrivain aux 10 000 amantes et aux 400 romans, sans compter les nouvelles, les articles et les reportages, n'est encore qu'un petit secrétaire belge de 23 ans et un de ses premiers amants. Il dira d'elle, c'est la seule femme avec qui j'aurais pu vivre. Mais sans doute n'imagine-t-elle pas, quand il dit, ce que deviendra cette belle liberté faite femme. Dans mon pays, elle serait aux cuisines, déclare d'une voix forte une femme élégante, assise à quelques tables de Joséphine dans une boîte montmartroise. Qu'importe. Les Français l'adorent. Maurice Bataille, en particulier son amant en titre, jeune, beau, riche, il a tout pour plaire à Joséphine, qu'il a installée au 77 de l'avenue des Champs-Élysées. Mais il se garde bien de l'épouser. D'ailleurs, elle est déjà ou encore mariée, même si elle semble l'avoir tout à fait oubliée, et elle adore les Français. Ignorant la venimeuse américaine, Joséphine trinque avec le prince des poètes, le délicieux Jean Cocteau, qui chante les louanges de la panthère noire et soupire pour son magnifique cavalier. Elle trinque au bonheur d'être en France, où les Noirs peuvent boire et manger dans les mêmes restaurants que les Blancs, monter dans les mêmes compartiments de train, s'asseoir dans les mêmes bus et prier dans les mêmes églises. Et qu'importe qu'on la regarde comme une sauvage, un animal, un clown, qu'importe du moment qu'on la regarde, qu'on l'aime et qu'on la paye. Elle en fait trop, trop d'amants, trop d'animaux, exotiques ou pas. Elle doit en faire trop pour en faire assez, pour incarner sa négritude que les artistes français adorent. Joséphine quitte en pleurant beaucoup son palais de marbre des Champs-Élysées, le beau Maurice Bataille dont elle espérait tant. Il lui a dit, la regardant droit dans les yeux, qu'il n'était pas question de mariage entre eux. Avoir pour maîtresse une danseuse nue, noire et américaine, c'est très chic. Mais une épouse, impossible, impensable. Joséphine a pleuré, et puis elle s'est consolée. À Montmartre, elle rencontre le beau Pepito Abatino, né en Sicile en 1898, et comte, dit-il. Il vient d'avoir 28 ans, il a déjà une réputation de joli cœur. Joséphine a 20 ans, tout rond, tout chaud, tout frais. Le Latin lover comprend que s'il veut garder sa place d'amant de cœur, il doit aussi être utile à sa belle. Il invente donc pour elle un métier qui n'existe pas encore, impresario. Tous les contrats de Joséphine passeront par lui et sa réputation de dur se répandra vite. Il invente la vente de produits dérivés, les bas, Joséphine Baker, les crèmes, les brillantines, les boîtes de cigares, les parfums, les bijoux, une poupée, Joséphine Baker, et même un camembert appelé le Charleston. On ne voit que partout, inséparable, fastueux, Joséphine et Pepito, le comte et la comtesse Abatino.
La concurrence est vive. Miss Tinguette a toujours fui cette, a toujours haï cette négresse vulgaire et Bricktop, son amie et rivale, belle rousse américaine, matinée d'un zeste fatal de sang noir, a elle aussi enflammé les artistes parisiens. Aragon a publié un article sur la rousse incendiaire, à moins que ce ne soit un article incendiaire sur la rousse. Elle a créé son propre cabaret. Joséphine doit créer le sien. The Mouche. En voiture, en train, en charrette, en vélo. Joséphine embarque Jacques Aptet et quelques dizaines d'autres amis ou voisins, y compris la famille Lévy, dont elle fait encore partie, et ils se réfugient en Dordogne dans ce château de Mirande qu'elle loue depuis 2 ans déjà. C'est décidé. La prochaine tournée de Joséphine servira de couverture à Aptet, rebaptisé Jacques Hébert et promu accompagnateur de la vedette. Un projet de tournée brésilienne leur permettrait de passer par l'Espagne et le Portugal, point stratégique pour leur enseignement. Il faut voir Joséphine arriver à la douane, rieuse, virevoltante, irrésistible avec ses grands rires clairs, sa familiarité à l'américaine et ses boas dufteux. Elle signe à tour de bras des autographes pour les douaniers, leurs femmes, leurs mères et leurs enfants, en roulant ses yeux trop grands dans sa bouille ronde de fillette. Pendant ce temps, son fidèle secrétaire passe avec les bagages et les partitions pour que nul ne prenne garde à lui. Les partitions sur lesquelles sont écrites à l'encre sympathique, invisible, des informations ultra précieuses concernant les activités des Allemands. Il suffit de placer le papier au-dessus d'une flamme, sans le brûler, pour que le texte apparaisse.
La tournée est un succès militaire indéniable. Mais toujours pas moyen d'obtenir de visa pour son accompagnateur. Joséphine finit par revenir, toujours seule donc, le soutien-gorge garni de liasses d'informations ultra-confidentielles. Elle retrouve Abtay éperdue d'admiration qui ne peut que la remercier et la féliciter et s'installe à Marrakech. La nuit de juin est tiède et mêle les parfums du jour, cannelle, cumin, friture, épices et roses à ceux de la nuit. Ce soir, Joséphine ne les sent plus. Pliée en deux de douleur, elle est emmenée d'urgence à l'hôpital où l'on diagnostique une péritonite aiguë. C'est du moins la version officielle. Une fausse couche. La dernière, celle qui la laissera sans espoir de maternité. Ou plus romanesque encore, un empoisonnement. Une des concubines du pacha, jalouse de l'intérêt que porte son seigneur et maître à cette négresse aussi libre qu'un homme. J'ai deux amours. Opérations mutilantes. Elle vient de signer un contrat fabuleux avec un producteur américain. Les Milandes sont à l'abri cette fois pour de bon. Plus de dettes. Elle le croit du moins. La tournée commence en janvier en Floride. Il a fallu 4 avions pour transporter l'ensemble des toilettes que les grands couturiers parisiens ont créées pour elle et dont elle donne le nom au début de ce spectacle. Est-ce la vedette qui fait la publicité des couturiers ou les couturiers qui garantissent le prestige de la vedette? En tout cas, la nouvelle Joséphine, ployant presque sous le poids des parures et des coiffures extravagantes qu'elle arbore, semble très loin de la petite sauvageonne clownesque qui avait enflammé les spectateurs de la Revue Nègre. Elle tient sa vengeance. Elle enlève elle-même, protégée par les objectifs photographiques de quelques journalistes, les panneaux ségrégationnistes qui réserveraient son spectacle aux seuls blancs de Miami. Et cette nouvelle Joséphine, presque hiératique sous ses costumes alourdis d'or et de bijoux, plaît enfin aux Américains. Ce n'est plus la petite négresse à peine sortie de son ghetto, comme il y en a ici à l'appel, mais une reine de Paris, qu'on acclame. En imposant la mixité à son public, Joséphine Baker a gagné un premier combat qui la grise. Elle sera désormais l'égérie de l'antiracisme. À Dallas, ivre de sa puissance, elle fait même arrêter le client d'un restaurant qui s'est plaint à haute voix d'avoir à déjeuner avec des nègres sous les yeux. Et elle accueille jour et nuit ses frères et sœurs noirs qui viennent lui raconter en un flot continu des histoires atroces qui nourrissent sa colère. «
accusé dans les journaux et à la télévision à la fois d'être communiste, ce qui aux États-Unis en ces années 50 est encore un crime, et d'avoir collaboré avec les fascistes, Joséphine fait appel à son fidèle Aptet pour échapper à la prison. Il doit venir en personne aux États-Unis fournir aux avocats de Mme Baker des preuves de ses activités de résistante. Sa parole ne suffit plus, il leur faut des arguments plus solides. Elle s'en sort de justesse grâce à l'intervention d'Aptet. Mais désormais, les Noirs américains ont peur de se compromettre en la soutenant, car si sa nationalité française protège Joséphine, eux ont tout à craindre du pouvoir et des puissants. Et les théâtres lui ferment leurs portes. Le Ku Klux Klan est entré dans la ronde avec sa violence redoutée. Joséphine reçoit des menaces, elle ne peut plus travailler, sa vie même est en danger. Obligée de quitter les États-Unis, elle passe en Amérique du Sud, mais le FBI ne laisse pas tomber. À Lima, on exige d'elle une signature, l'engageant à abandonner toute activité politique. Abandonner sa vengeance contre les racistes américains, c'est mal la connaître. Elle préfère renoncer à ses contrats et continue par le Chili, l'Uruguay et le Brésil. Partout, le même scénario se reproduit. Les autorités américaines ne la lâchent pas et découragent tout soutien. C'est seulement en Argentine, sous la protection de Juan Perón, que cesse la persécution dont elle est l'objet. Il n'en faut pas plus à Joséphine, et on la comprend, pour faire de l'Argentine sa terre d'élection. D'autant plus qu'elle y a été accueillie par une presque amie, Malena. Roger, ancien administrateur de l'orchestre de Joe Bouillon, est tombé amoureux de Malena lors d'une tournée de Joséphine et il l'a épousée. Et Malena est une proche de Perón. Elle accueille la pauvre Joséphine, privée de scène, de public, d'amour, et lui donne de l'Argentine et des Vita, qui viennent mourir, la plus séduisante des visions. Une vision qui a tout pour éblouir Joséphine. Eva, qui vient de mourir à 32 ans d'un cancer ravageur, a accompli en 8 ans un travail colossal. Elle a obtenu le droit de vote pour les femmes, l'égalité juridique des conjoints, elle a créé une fondation pour aider les plus démunis, construit des hôpitaux, des asiles, des écoles, des centres d'accueil temporaires et organisé des colonies de vacances pour les enfants. Proche des syndicats, des femmes, des travailleurs, elle est partout sur le terrain et part au plus pressé d'une main, organisant de l'autre le long terme. Elle a écrit 2 livres pour témoigner de son engagement et de ses convictions. La blonde comédienne pensait avec ses tripes, comme Joséphine. Et comme elle, elle a conquis les foules. La ressemblance va très loin entre ces deux femmes, et l'on peut penser que la mort ne les empêche pas tout à fait de se rencontrer. Elles jouissent l'une et l'autre d'une force et d'une volonté, forgées par une naissance illégitime, une enfance misérable et magnifique à la fois, une vengeance à assouvir, ou plutôt une revanche à prendre. Joséphine a 13 ans de plus que la jeune morte. Elle n'est encore qu'une chanteuse noire américaine, doublée d'une résistante française. Elle ne peut manquer d'entendre Juan lui raconter la tournée qu'a effectuée quelques années plus tôt en Europe son épouse, en 1947 exactement. Une tournée arc-en-ciel, selon l'expression d'Evita elle-même. Espagne, Italie, Vatican, France, Suisse et retour par le Brésil et l'Uruguay. En moins de 3 mois, la belle ambassadrice argentine, venue non pour former un axe, mais seulement comme un arc-en-ciel entre les deux continents, a rencontré tous ceux qui comptent en Europe, affirme Juan. Franco, le pape, elle a été reçue comme une reine partout. Si la réalité a été plus difficile, souvent, Joséphine n'en saura rien, ni des contacts qu'Eva Perón aura noués par la même occasion avec les criminels nazis en fuite. La jeune Evita, la mère des Descamisados, est déjà montée au ciel orélé de sa gloire, laissant derrière elle des ombres démesurées que l'on n'a pas fini de tenter d'éclaircir. Joséphine n'en parlera jamais, et peut-être même ne s'en est-elle pas vraiment rendue compte, mais elle est profondément marquée par cette rencontre post-mortem, et ce n'est pas un hasard si quelques années plus tard, elle donne aux enfants qu'elle a choisi d'adopter dans le monde entier le nom de « tribu arc-en-ciel ». Silueta porteña. Thank you.
Les enfants sont devenus des adolescents passablement déboussolés par la vie chaotique qui a été la leur, tantôt livrés à eux-mêmes, petits tyrans dans le royaume de Milande, tantôt jeunes chiens dressés, bien peignés, exhibés à l'admiration des foules, tantôt rois, tantôt gueux. Des adolescents des années 70 élevés comme de jeunes seigneurs du début du siècle. Certains en sont venus à haïr cette mère despotique et incohérente dont les principes rigides sont insupportables à leurs 15, 16 ou 18 ans. Faute de pouvoir porter les cheveux longs comme les Beatles ou des pantalons bêtes d'éléphant comme tout le monde, les garçons, les plus vieux de la tribu, deviennent de vrais petits voyous. Et les ennuis continuent pour Joséphine, la ruine des Milandes, les enfants, les fils qu'il a élevés. Elle va faire un dernier spectacle. Mais la salle de Bobino n'est pas plus adaptée que celle du pavillon Gabriel à un grand spectacle à la Baker. Pas de place pour ses plumes et ses coiffes. La société de mère de Monaco est coproductrice du spectacle, mais aucune compagnie n'a accepté d'assurer la vedette. Tant pis, Joséphine y croit. Je ne suis pas sûre de moi. Je suis sûre du public parisien, confie-t-elle à la télévision. Il est loin le temps où la gamine déguisée en ange faisait des grimaces accrochées au cintre. Est-il si loin vraiment? Que reste-t-il de toutes ces amours d'une heure, d'une vie, de tous ces cris, toutes ces colères, toutes ces joies, toutes ces souffrances? Ne sont-ils pas tous là, toujours, contenus dans ce corps martyrisé qui se dresse face au public dans sa robe de tulle blanc? C'est toute la vie de Joséphine Baker qui défile. Ce soir du 8 avril 1975. Les changements de costume relèvent de l'acrobatie la plus folle dans l'exiguïté des lieux, du miracle. Toute la musique new-yorkaise du début du siècle y passe. Liza Minnelli, Sidney Beckett, Cole Porter. Tour à tour surgissent les fantômes du passé. Une petite fille masquée d'un loup d'or, une jeune danseuse noire parée d'une ceinture de banane et Baker, la grande Baker, l'unique qui descend en four au pastel l'escalier de Bobino. Et le spectacle continue sur un air de samba effréné. Joséphine réapparaît trois fois dans trois costumes différents au milieu d'un carnaval de danseurs déchaînés. Elle chante en costume de clown. Vivre, que c'est bon de vivre, de Gilbert Bécaud, avant de redescendre royalement les escaliers de Bobino, couronnée de plumes blanches, immense dans sa longue cape immaculée en plumes d'autruche, chantant « Alors merci Paris Paname, merci pour tout du fond de l'âme !» La chanson du final déclenche l'enthousiasme du public qui, une fois encore, crie, trépigne, acclame, arrache la décoration florale pour l'envoyer à la Vénus d'ébène qui pleure d'émotion. L'ovation dure une demi-heure sans faiblir avant que Joséphine puisse prononcer quelques mots de remerciement à l'adresse de la princesse Grace. Son dernier Charleston, elle le danse rideau baissé en laissant paraître que ses jambes, qu'elle croise et décroise, comiquement sous les vivas enthousiasmes de son cher public parisien. Une fois encore, Joséphine a gagné. À quel prix? Agenouillée au chevet de Joséphine, la tête dans les mains, Grace prie. Elle n'entend pas la porte s'ouvrir et se refermer doucement. Alexandre, le coiffeur de Joséphine, n'a pas osé troubler la prière de la princesse. Grace connaît presque tout de la morte. Sa force, sa générosité, sa mauvaise foi, sa dureté et sa fragilité. Elle pardonne tout à cette petite fille maltraitée qui s'est élevée à la hauteur des rois, les bras chargés d'enfants, et qui est retombée si bas que s'il n'y avait pas eu Bobino, elle serait partie aussi discrètement qu'une vieille dame morte dans un hospice. Ce qui n'est sans doute pas vrai.
car Bobino ou pas, la France accorde à Joséphine des funérailles nationales. À la Madeleine, l'attendent tous les corps de l'armée française. Une haie de drapeaux entoure l'autel et un ancien combattant marche derrière le cercueil, portant un coussin sur lequel sont épinglées les décorations du sous-lieutenant Becker. Un détachement de femmes de l'armée de l'air est là aussi en uniforme. Aux grandes orgues, Pierre Spears joue « J'ai deux amours », tandis que Marie, sa femme, sanglote et que tout Paris, non, pas le tout Paris, mais la foule des petits, des sans-gras, les employés, les ouvriers, tous émus, bouleversés par la mort de cette mère courage, suivent le cercueil et pleurent. Des chars entiers de fleurs sont portés sur la tombe du soldat inconnu, comme l'avait demandé Joséphine. Tous les hommes, quelle que soit leur couleur, leur mœurs ou leur langue, ont le même besoin d'amour, disait-elle souvent. Ceux qui, comme elle, n'en ont pas eu leur compte dans les premières années, ne cessent jamais jusqu'à leur mort de chercher l'amour qui leur a manqué, sans jamais le trouver, sinon dans ces instants d'ivresse où le monde entier, représenté pour un instant par le public, semble les adorer. Et ils sont là, derrière son cercueil, ces femmes, ces hommes qu'il adorait dans tous ses états, petites négresses à la bille de clown et au corps de déesse, françaises résistantes, mères courage, militantes antiracistes. Ignorant ses échecs, ses erreurs et ses failles, ils se souviendront de sa force et de sa générosité et de cet idéal qu'elle portait ou qu'il apportait, d'un monde fraternel et libre, ignorant toutes les discriminations. Aujourd'hui, et j'ai terminé sur une explication. 40 ans après la mort de Joséphine, Régis Debray a proposé que ses cendres soient transférées au Panthéon, d'où le titre « Les trottoirs de Saint-Louis au marque du Panthéon ». En rendant les honneurs du Panthéon à Joséphine Becker, l'époque ne ferait qu'endosser haut et fort ce qu'elle a de singulier et de plus dynamique. Tous ceux, toutes celles qui, de par le monde, ont deux amours, leur pays et Paris, ne voudraient pas leur plaisir, non plus que Senghor, Roumain, Despestre, Césaire, sans oublier Christiane Taubira. Cette sirène des rues pourrait bien nous aider à dégeler les urnes et les statues, à mettre un peu de turbulence et de soleil dans cette crypte froide et tristement guindée, écrit-il dans Le Monde, daté du 16 décembre 2013. La proposition n'a pas été retenue. Alors, il m'a semblé qu'il s'en serait utile de faire revivre Joséphine dans un livre court et vif à lire cul-sec. À la santé de Joséphine.